Yo les amis, c'est Fred, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Je viens juste de voir que dans mes abonnements, il y avait Yandere Dev qui avait sorti Kudere Simulator 3. J'avais fait le 2 à l'époque. Ça fait déjà un bon petit moment et je me suis dit bah pourquoi pas le découvrir tout de suite tous ensemble. Donc c'est parti pour Kudere Simulator 3. Let's go. Donc me voilà dans la pièce, je suis avec Kudere ici, il y a Kudere qui est assis sur sa chaise. I don't even need a senpai, je pense qu'elle dit je n'ai pas besoin de senpai. Attendez, je vais essayer d'appuyer sur des trucs. Oh génial, elle sort un gun les amis, je vois Kudere, elle te sort un gun comme ça au calme. Est-ce que je peux tirer avec? Ah merde, ça le range, il y a sûrement moyen de tirer avec, non? Senpai will only make my life more complicated. On peut lui mettre un cache-œil, avoir un gun. Je me suis transformé en tsundere, qu'est-ce que je peux faire avec elle? Je peux toujours aussi avoir mon gun, je crie Baka bien évidemment. C'est vraiment génial en fait, on peut changer de personnalité, ça me rappelle Kudere Simulator 2. Bon bien évidemment c'est le 3 donc c'est normal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Logiquement, on peut encore se changer. What? Il y a une Sana qui est venue. On a une réplique d'Osana là. C'est ce qu'elle dit quand elle parle à Senpai, souvenez-vous. Enfin, vous connaissez les phrases d'Osana. What the fuck? Je viens de dégommer Osana. What the fuck? Bordel, c'était chaud. On a buté Osana les amis. Avec le gun on a pu tirer dessus. Est-ce que je peux le refaire ça? Parce que franchement c'était juste... Je peux le refaire tout le temps je pense. Regardez. Hop là, voilà. Fais revenir une Osana. Bim mon gars. J'en refais venir une. Bim mon gars. Et on peut faire ça autant de fois qu'on en a envie. Regardez, voilà, ça part en texte. Il y a un gros tas de cadavres. C'est génial les amis. Je fais un tas énorme d'Osana. Franchement c'est juste génial. Oh je me suis changé encore. Tu es chanceux, je veux parler avec toi. Est-ce qu'elle peut tirer aussi? Si par exemple je ramène... What? Attendez, ramène Osana aussi. Et bim, je peux la tuer aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Là on redevient Kudere. Est-ce que Kudere peut aussi tirer? J'imagine que oui, oui, Kudere peut aussi tuer. Et c'est tout ce qu'on peut faire les amis. Oh, on peut se mettre dans cette vue là, génial. Mais je peux plus bouger par contre. Mais si je veux venir une Osana, bim, je peux tirer comme ça. C'est génial, franchement c'est énorme. Bim. Bim. C'est vraiment un truc de ouf. Sinon, bah, je pense qu'il n'y a rien d'autre en fait. Je peux spammer aussi, écoutez. C'est génial. Je remarque qu'il y a moyen de changer encore de vue. Hop, là je tire. Je peux revenir à cette vue là. Là, je peux changer les couleurs comme avant. Ah, voilà, en tout cas, c'est vraiment énorme, les amis. On va se laisser là-dessus. Bon, vous l'aurez compris, c'est juste un jeu où on se prend pas la tête. Là, c'est vraiment énorme qu'on puisse tuer Osana comme ça. Je vous invite à l'essayer vous aussi de votre côté. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller le télécharger. Et nous, on va se laisser bah, sur un kill d'Osana. Donc, c'est parti. Boom, désolé, Osana, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à faire péter la barre des likes, les amis, si vous avez kiffé avec moi. Et sinon, bah, on se retrouvera demain pour de prochaines vidéos. Je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.